C'est parti pour la cinquième, le prix de Fontainebleau. Groupe 3 préparatoire à la poule d'essai des poulains. 1600 mètres à parcourir sur la grande piste. C'est le numéro 1, The Summit, qui s'installe rapidement aux commandes de l'épreuve associé à Pierre-Charles Boudot. Pizzanello, le numéro 4, est rapidement en deuxième position. Devant les deux poulains qui défendent la Kazakh Vertemer. Le numéro 8, Écrivain, et le numéro 7, Zedivol, qui est en quatrième position. Devant Kenway, devant Memory Dream, le grand favori Victor Ludorum. Lui, le numéro 3, confié à Mickaël Barzalona, vient à l'extérieur et se rapproche maintenant des premiers. En dernière position, on galope le numéro 6, Helter Skelter. La descente est abordée en tête par le numéro 1, The Summit. Pizzanello est en deuxième position. Et voilà maintenant le grand favori qui vient de lui-même, Victor Ludorum, le numéro 3, qui fait les bras à son partenaire dans la descente. Côté corde se trouve le numéro 7, Divol. Écrivain attend patiemment, lui, en cinquième position au centre du peloton, devant le numéro 2, Memory Dream. À la corde, il y a Kenway. Toujours au dernier rang, le numéro 6, Helter Skelter. La fausse ligne droite, The Summit, qui a toujours l'avantage devant Pizzanello. Victor Ludorum, le grand favori, vient maintenant à l'extérieur devant le numéro 7, Divol. Écrivain attend toujours son heure au centre, associé à Maxime Guyon, devant Memory Dream, Kenway. Et le 6, Helter Skelter. Dernière ligne droite, The Summit, qui a toujours le meilleur. À son extérieur, il y a Pizzanello maintenant qui attaque. Victor Ludorum également qui vient librement à hauteur des premiers devant Memory Dream, hein, qui sort de son sillage. Helter Skelter également qui vient complètement en dehors. The Summit, le numéro 1, qui tente de réaccélérer. Pierre-Charles Boudot qui a l'avantage de longueur d'avance sur Victor Ludorum, le favori qui n'arrive pas pour l'instant à revenir sur le fuyard. The Summit et Pierre-Charles Boudot qui ont fait la différence. The Summit qui réaccélère. The Summit qui va conserver l'avantage et s'imposer dans ce prix de Fontainebleau. Le 8, Écrivain, sera deuxième. Troisième place conservée, semble-t-il, par le 3, Victor Ludorum, au dépens du 5, Kenway.